part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer. Et là j'ai mis dans la platine très récemment le dernier dubbing. Qui sont invités d'ailleurs aussi sur l'album avec Trio, et voilà, j'adore dubbing, voilà, c'est un groupe que j'écoute en ce moment-là. À tort ou à raison, en direction du soleil, et c'est malgré les saisons, à partir de là je m'éveille, une lettre ouverte à l'horizon, mais un jour retrouve le sommeil. À la meilleure chanson pour se réveiller, ah bah je sais, moi je mets l'album, en plus c'est une réalité, je mets, tu sais, Jojo High et Lieutenant Nicholson, je sais pas si vous connaissez, c'est la musique hyper, comment dire, hyper joyeuse, hyper enjouée, ça s'appelle Jojo High et Lieutenant Nicholson, et l'album s'appelle Aimé Césaire, et c'est mortel, vraiment c'est un truc pour se réveiller qui est super. Don't worry, be happy, tu sais, voilà, Bobby McFerrin, voilà, restons joyeux et aimons-nous dans la joie. Ain't got no place to lay your head, somebody came and took your bed, don't worry, be happy. Moi, dernièrement, vraiment un concert qui m'avait giflé, c'était le Bercy d'Ibrahim Malouf. On était invité par Ibrahim, donc on a participé, mais en tant que spectateur, on était aussi, voilà, on a fait tout le concert. C'était impressionnant, vraiment impressionnant de générosité, de talent, voilà, c'était parfait. Voyage. Ah bah moi c'est clair, c'était cet été en août, j'ai fait le festival Burning Man dans le désert du Nevada, et c'était la deuxième année que je le faisais, voilà, et donc pour moi c'est paradoxalement de retour aux sources, parce que je l'ai fait il y a 2 ans et je l'ai refait là cette année, et j'ai voilà, c'est un endroit où je me sens hyper bien, où tu déconnectes complètement, le burn, et voilà, et donc je suis un burner, et j'adore le festival, et je conseille à tout le monde de pas faire que ça soit juste un rêve ou une envie, mais de prendre son courage à deux mains et puis d'y aller. Moi, ça a été un voyage que j'ai fait il y a quelques années maintenant au Niger, où je suis parti avec Daniel Jamais, guitariste de la Mano Negra, et puis Amazir Kateb, chanteur de la Gnawa Diffusion, rencontrer des artistes et musiciens Touareg dans le désert du Niger. Et on a donc collaboré, on a fait de la musique ensemble, on a enregistré un album, on est parti de jouer tous ensemble. Donc ça a été un voyage magique, parce que la rencontre avec les Touareg, avec le désert aussi, et puis la musique Touareg, le blues du désert. Donc voilà, c'était un voyage très très riche d'émotions et puis de musique.